Je m'appelle Vanessa Druet, j'ai 30 ans et je suis mère au foyer d'un petit garçon de 2 ans. Toutes les premières fois qu'on trouve dans l'évolution d'un enfant, à l'EAC ou à la petite bulle, ils nous rassurent vraiment. Ils sont toujours là à l'écoute pour que je puisse partager mon expérience avec d'autres mamans, que mon fils puisse voir d'autres enfants de son âge. Je fais les ateliers si mon fils rentre dans l'âge. C'est une dame qui fait des cours de danse, qui vient montrer des pas de danse adapté à l'âge de l'enfant. Et on le voit que lui, il est tout heureux d'avoir partagé ce moment-là avec maman. Et tous les jeudis, y a des soirées débats. Là, comme là, demain, il y a une soirée débat sur les enjeux du jeu pour les autour des enfants. Puis après, là, il n'y a pas longtemps, on m'a parlé des cours de français. Je trouvais ça important de me remettre à niveau. Et là, je pourrais vraiment m'épanouir en tant que maman, en tant que femme, en tant que mère. Donc, je m'appelle Edith Bérard. Je suis assistante maternelle à M. Et donc, ça fait à peu près depuis l'année 1998 que je vis à M. Donc aujourd'hui, je fréquente l'EAC dans le cadre du relais assistante maternelle le mardi matin et aussi par rapport aux ateliers que propose le relais, donc sur le lundi matin. Ouais, je dirais au maximum, des fois on est 14, à peu près 14 enfants et puis 6 ou 7 assistantes maternelles. Mais bon, Marie propose quand même des ateliers décentralisés où justement elle va dans les différentes communes. Et c'est vrai que le relais, c'est cette ouverture aussi vers d'autres assistantes maternelles parce que finalement elle travaille beaucoup seule chez elle et ça permet justement cette ouverture sur l'extérieur pour avoir une écoute entre professionnels, pour avoir des échanges sur notre activité et surtout, donc, j'irais pour l'éveil aussi de l'enfant dans un autre cadre avec d'autres enfants. Et l'animatrice donc peut nous servir de tiers aussi dans la relation avec le parent en cas de difficultés sur des soucis de règlement de contrat ou enfin tout ce qui est administratif. On y va. Allez, tu donnes la main au petit garçon là-bas. On le rattrape. Allez. Tu lui donnes la main, marche. Je m'appelle Esteban, j'ai 8 ans. Moi, je venais là pour faire mes devoirs. Des fois, on rigolait, des fois, on lisait des histoires. Avant, je comprenais pas les exercices, alors, je voulais pas faire mes devoirs, je pleurais. Maintenant, quand je fais mes devoirs, j'y fais direct. C'est Émilie qui m'a aidé à comprendre. Elle m'a appris à lire comme il faut, à écrire comme il faut. Parce qu'avant, j'écrivais pas sur les lignes. Des fois, avec maman, quand elle travaille, je vais au centre loisir. On a le droit de choisir les sorties aux trottinettes et patins roulettes au plan d'eau. J'aime bien me faire des copains, des nouveaux copains que je connaissais pas. Comme quand on est parti à 7, je me suis fait plein de copains. En même temps, là, des copains que je connais. Je m'appelle Quentin, j'ai 12 ans et j'habite à Mako. Je vais à l'espace jeune, c'est vraiment des trucs pour les jeunes et c'est ça que j'aime bien. Ça a permis que je m'ennuie pas trop et faire des rencontres, se faire des potes. C'est pas forcément des activités qu'on va pratiquer en famille, des sorties dans des villes. Il y a des sorties au cinéma le soir, il y a des activités, par exemple le graphe, acrobranche. Et on n'est pas obligé d'y aller toutes les vacances, on peut s'inscrire à chaque séance qui nous plaît. L'ambiance à l'EAC, je trouve qu'elle est super, parce que même s'il y a les grands et les petits, il y a presque jamais de tension. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut participer à une organisation d'un séjour ou d'une sortie. Si on n'a pas assez de moyens, on pourrait financer en faisant des activités. On peut dire ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. On peut dire ce qu'on pense. Et les animateurs, ils sont toujours à l'écoute pour ça. Ça, c'est cool. Après, il y a aussi Bertrand aussi, qui fait des activités au collège pour faire voir un peu ce que c'est l'EAC à ceux qui connaissaient pas. Je m'appelle Hervé d'Angulsum. Depuis 1997, je suis en France.
Et quand j'ai venu première fois, j'ai aucun mot de français que je pouvais parler. Et je ne savais pas du tout. En 2005, j'ai rencontré à l'ESC pour apprendre français. Et en même temps, maintenant, on a commencé, il y a même pas un mois, on a commencé pour préparation concours à ASEM. Et une heure et demie par semaine, on s'organise avec mon bénévole. On fait des tests, des fois les grammaires, des fois il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des phrases, des fois je ne comprends pas, il m'explique autrement, en fait. Je confiance en moi déjà. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi. Et je sais que j'arrive à faire. Je m'appelle Daniel de Risbourg. J'ai 63 ans. Je suis originaire du nord de la France, de Lille précisément. Le fait d'avoir frappé à la porte de l'EAC, d'avoir participé à plein de choses, ça m'a effectivement permis de passer de la vie active à la vie de retraité beaucoup plus facilement. J'ai fait donc du bénévolat, c'était d'apprendre le français à des étrangers. Ça me prend en général 1h30 à 2h par cours. Et je fais 3 cours par semaine. Maintenant, je fais partie du conseil d'administration. Chacun, à son niveau, peut participer à la vie du canton, donner son avis, le fait d'être dans une petite commune et de pouvoir participer à tout ça, ça m'apporte beaucoup de choses. Je m'appelle Marie-Jo Météraud, j'ai 65 ans. Je suis à la retraite depuis 5 ans. Et je suis membre du CA, je suis membre du bureau. En tant que bénévole, j'essaie de participer le plus possible à tout ce qu'organise l'EAC. Ça peut être des repas partagés, l'organisation d'un marché gratuit, l'organisation de la SSI, c'est-à-dire semaine de la solidarité. L'EAC nous met à disposition une salariée qui nous accompagne dans la réflexion, dans l'organisation, et pour que toute la journée soit une réussite pour tout le monde. Le projet Voyage au Maroc va avoir lieu du 1er au 10 avril et on ne savait pas trop comment s'organiser. Qui est une dynamique de groupe, qui est une connaissance de chacune. Donc on a poussé aussi la porte de l'EAC et l'EAC nous a mis en relation avec l'ADENS qui organise ces voyages solidaires. Donc l'EAC m'a proposé une formation jeu. Après la formation, l'EAC aide toutes les associations, tous les participants à organiser leur soirée jeu ou leur moment de jeu dans le but de permettre la relation intergénérationnelle dans toutes les communes du canton. Mes actions au sein de l'EAC m'apportent une très grande ouverture sur le monde puisqu'on côtoie le transculturel, le transgénérationnel. Du coup, ça booste ma vie. Je suis Joanna Battista, j'ai 18 ans et j'habite ici à M depuis janvier 2013. J'y allais pour la mission locale. Aujourd'hui, vous aimeriez travailler dans quoi ? Bon, j'aimerais beaucoup le secteur de l'hôtellerie-restauration. D'accord. Donc, vous savez très bien que dans ce secteur, il faut pouvoir s'exprimer avec les clients, il faut parler très bien le français. Donc, moi, je vais vous proposer, on a une formation qui est dispensée par un organisme qui s'appelle AIDER, sur Montier, une formation apprentissage de la langue française. Et dans le cadre de votre projet professionnel, dans cette formation qui dure à peu près 4 mois, vous avez 2 stages en entreprise pour la validation de vos projets. Avant cette formation, comme je n'ai pas beaucoup de qualifications, je ne connais pas beaucoup de gens, comme je n'ai pas d'idée qu'est-ce que je vais faire pour mon futur. Et maintenant, j'ai déjà un projet professionnel. Je déjà regarde un peu mon futur ici, à faire mon travail avec mes amis, mon copain, tout ça. Je m'appelle Christiane Chenu, j'ai 63 ans et puis je suis à la maison. J'ai élevé mes enfants, mes petits-enfants et puis tout d'un coup, j'étais un peu seule. Alors j'avais besoin de sortir, oui. L'EAC a mis en place des rencontres tricot
Alors évidemment, ça m'a intéressée. Nous nous retrouvons à quelques-unes pour tricoter. Et l'association nous a mis en lien aussi avec SOS Préma. Alors nous, à l'EAC, nous confectionnons des petits vêtements distribués dans les services Préma des hôpitaux de Chambéry et d'Annecy. Nous nous retrouvons dans le hall de l'EAC. Nous voyons passer pas mal de gens. Nous discutons. C'est vrai que c'est un moment très animé. Ça se termine souvent autour d'un petit gâteau, d'ailleurs. Je vais aussi à quelques balades de l'amitié. Alors, elles nous permettent de découvrir des endroits qui sont dans le canton. Il y a même eu des rencontres à Chambéry ou plus loin. En plus, on rencontre des gens vraiment très intéressants. C'est une ambiance très sympathique. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment des balades de l'amitié. Au niveau de l'association à la découverte, hein, nous sommes un atelier de peinture qui sert surtout pour les enfants. Et donc, l'EAC nous aide énormément au niveau association et aussi les petites mini-formations. Nous sommes inscrits sur leur livret, le livret des associations. Donc, vous voyez les peintures que les enfants ont fait là aujourd'hui, ils se sont amusés à faire des collages. Le fait de venir à l'EAC aujourd'hui m'a permis d'avoir plus confiance en moi, oui. Alors, je m'appelle Amélie, je suis au lycée en terminale S, j'ai 18 ans et je suis animatrice pendant les vacances. La première fois, je suis allée au PIG, j'ai rencontré Bertrand qui m'a donné énormément d'informations au niveau de tous les problèmes et toutes les questions que rencontre la jeunesse et qu'on n'ose pas forcément aborder avec d'autres personnes. Là, si j'ai une question, je sais où aller et je sais qu'on m'accueillera avec une réponse. L'année dernière, j'étais un peu perdue au niveau scolaire. Je savais pas de quel domaine je voulais aller. Et avec le PIG, j'ai pu faire mes 3 stages BAFA qui m'ont mis en confiance, qui m'ont donné de nouvelles expériences. Et puis par le biais du BAFA, j'ai découvert le service volontaire européen. Donc pouvoir travailler un an maximum à l'étranger.